On a été complètement, mais dupés, arnaqués, manipulés. Après que mon père s'est fait opérer, il a eu deux luxations. Suite à ces deux luxations, donc en août et en septembre 2011, la vie quotidienne de mon père s'est dégradée pendant 2 ans, où il a fallu qu'on soit vraiment proche de lui. Moi, en l'occurrence, je l'emmenais partout parce qu'il ne pouvait plus tenir debout. Il avait du mal, il avait des douleurs qui étaient insupportables malgré tous les antidouleurs qu'on lui prescrivait. Et c'était c'était pas possible. Donc, malgré qu'on allait aux urgences, malgré qu'on prenait rendez-vous avec les médecins, leur Tadj Jacob ou docteur Hardy, rien n'y faisait. On nous disait toujours qu'il fallait laisser le temps au temps. Et le 2 mai 2013, nous découvrons médiatiquement, mon frère et moi, qu'il y a eu 4 personnes à Amboise-Paré qui ont été opérées de prothèses de hanche par le docteur leur Tadj Jacob et le docteur Hardy, qui n'étaient pas du tout conformes. Et qu'ils n'étaient même pas validés pour les tests cliniques non plus. Je suis extrêmement en colère parce qu'on nous a manipulés pendant 2 ans. Peut-être que pour les médecins, c'est que des patients, peut-être des cobayes. Il faut dire même pas, ça a été des cobayes à ce moment-là. Vous avez, vous, de votre côté, nous, la famille proche, on a notre père qui souffre. C'est impossible à l'accepter, quoi. Moi, je ne peux pas l'accepter.